Nous sommes ici à Cassagnes, sur la place du marché à Perpignan, donc dans le cadre de Parole Libre, donc une émission qui donne justement la parole aux citoyens et aux citoyennes, et on va leur poser la question de leur réaction par rapport aux agressions des mamans qui emmènent leurs enfants à l'école Romain Rolland. Donc nous sommes dans l'émission Parole Libre, la parole qui est donnée aux citoyens. Donc il y a des mamans qui emmènent leurs enfants à l'école Romain Rolland qui est derrière. Elles se font agresser parce que musulmanes, parce qu'elles portent le voile. En fait, c'est une retraitée qui passe, qui leur met des coups de coude, qui les insulte sur leur religion. Et voilà, donc il y a un procès qui va venir le 9 avril. Mais en attendant, cette retraitée continue. Elle a fait une garde à vue, mais elle continue ses agressions verbales devant les écoles. Il y a encore des plaintes. Il y a plus de 9 plaintes maintenant. Et les autorités ne réagissent pas. Qu'en pensez-vous, vous ? Je trouve que c'est déplorable de la ségrégation et la sectarisation qu'on a fait des femmes voilées. Parce que moi, je suis arabe, enfin, je suis berbère, je ne porte pas le voile. Normalement, le hijab doit se porter, c'est la femme qui doit choisir. Donc voilà, que pensez-vous de ces femmes qui ont choisi de porter le voile et qui se font discriminer ? Elles sont libres de porter le voile. C'est elles qui choisissent. Voilà. Bah, bien sûr. Et par contre, cette femme qui agresse, je suis contre. Et dernièrement, jeudi dernier par exemple, cette femme-là s'en est prise à deux professeurs lors d'une sortie scolaire avec 23 enfants parce qu'il y avait deux mamans accompagnatrices qui accompagnaient les voilés. Et elle a insulté les professeurs de comme quoi ils autorisaient des mamans voilées à. Et elle a fait un doigt d'honneur devant les enfants. C'est impensable. C'est regrettable, oui. Et ne pensez-vous pas que. À la télévision, il y a un certain discours qui tend à justement à légitimer ces agressions. C'est vrai que les médias, ils font beaucoup. Les médias, ils nous font peur avec ça. Et vous pensez à qui, Zemmour, non ? En particulier. Il y en a plein, hein, maintenant, hélas. Mais c'est pas ça, la laïcité. La laïcité, c'est le vivre ensemble. C'est, par exemple, vous avez le droit, voilà, voilà. Et respecter les autres dans leurs différences. Exactement, c'est ce que j'ai fait. Moi, je me suis convertie chrétienne. Et je porte pas le voile et chacun son choix, voilà. Quoi. Vous avez le droit de faire votre choix, mais il faut aussi... Ils m'ont donné le choix, voilà. Et je l'ai fait. Il faut respecter les autres choix aussi. Voilà, j'étais chez les sœurs, je me suis convertie chrétienne. Voilà, ok, d'accord. Et ben, merci beaucoup pour votre réaction. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Monsieur, il y a des mamans qui emmènent leurs enfants et qui se font agresser devant leurs enfants, parce que musulmanes, juste à l'école Romain Rolland qui est juste derrière. Vous en pensez quoi ? Je pense que ce n'est pas normal. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais d'agresser les gens, c'est pas naturel, c'est pas logique, pas du tout. Et vous pensez que normalement, il devrait y avoir une réaction pour protéger les enfants et les mamans ? Évidemment, si on lui interdit de le faire et le continue, il faut la retirer du circuit, et c'est tout. Mmh. Ok. Bah, merci beaucoup pour votre réaction. Bonne journée. Mmh. Au revoir. Mathieu Saint-Jacques. Donc je suis avec une maman et ses enfants justement, et je viens de lui apprendre, ou elle était peut-être au courant, qu'il y a des mamans en emmenant leurs enfants à l'école se font agresser en leur présence par une retraitée raciste, et je voulais avoir sa réaction. Bah, je trouve ça pas normal en fait, qu'elle puisse continuer à agresser les gens comme ça, complètement gratuitement, dans la rue, voilà, qu'elle fasse des doigts d'honneur devant les enfants, devant les enseignants. Ouais, je comprends pas ce qu'il fait le maire, je comprends pas ce que fait la police, même s'il y a un procès voilà, qui est bientôt programmé. En attendant, elle est là, elle est libre, elle est dans la rue et elle continue à agresser voilà, en permanence. Hein, Maman Leclerc, j'ai une amie qui l'a vue, foncer avec son chariot sur des mamans dans Leclerc, voilà, qui porte le voile. Voilà, et c'est très très dangereux. Voilà, en plus, on sait qu'elle a un couteau. Voilà, on ne sait pas jusqu'où elle peut aller, cette femme-là, et je comprends pas, quoi, parce que ça se passe devant une école, avec des parents, des enfants, les enseignants. On se demande ce qu'ils attendent, quoi. Est-ce qu'ils attendent qu'elle tue quelqu'un, ou voilà. C'est honteux. On comprend pas le silence du maire de Perpignan, le silence des autorités. Est-ce que les mamans et les parents ont demandé à ce qu'il y ait une présence policière ? Vous pensez que c'est... Bien sûr, c'est normal pour protéger, voilà, puisqu'on sait qu'il y a un danger. On sait qu'il y a un danger, il y a déjà des mamans et des familles qui ont porté plainte, donc le danger, il est avéré. Donc il faut qu'il y ait une présence policière.
maintenant, pas dans 3 semaines, pas dans 1 mois, il faut que ça se fasse tout de suite. Vu qu'elle est libre et qu'elle continue à agresser les gens, c'est maintenant qu'il faut qu'ils mettent des policiers, et peut-être que ça va la dissuader en tout cas. Mais il faut qu'ils protègent les enfants, il faut qu'ils protègent les familles, ça se passe devant les écoles de Perpignan, donc c'est pas normal. Ok, bah, merci beaucoup pour votre réaction. Merci.